doesn't seem so crazy right now. On n'a pas besoin. On a déjà parlé de ça, Ellie. Tu n'as pas besoin de boire ça. Faut pas faire ça. Ouh, on n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau. Comment ça, on n'a pas d'eau? On n'a pas fait de l'eau la dernière fois? Je pensais qu'on en avait plus. Là, on a une sorte de filtre qui assombrit tout. Je voudrais bien avoir une liste de différents filtres qu'ils utilisent pour faire les différents temps. Pour faire les différents temps. Enfin bref, bienvenue à tous. Bienvenue, nous sommes toujours au Mont Timberwolf. Ce sera le dernier épisode pour le Mont Timberwolf. Car ça fait déjà trop longtemps qu'on est ici, honnêtement. Donc on va commencer à bouger un peu parce que c'est relou. J'ai cru voir un loup. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, il fait pas... Honnêtement, il fait pas beau. Il fait vraiment pas beau. Mais nous allons récupérer donc le... Je pense cargaison de fret. Et nous allons surtout récupérer... Enfin, faire l'emplacement de la photo. Donc nous sommes ici. Fais voir si on peut. Ouais non, elle va pas le marquer sur la map encore une fois. Donc nous allons descendre au moteur ici. Donc on va faire ligne droite comme ça. Et après on va remonter. On va prendre cette grotte. Et cette grotte va nous mener à cet endroit par là. Et on va se débrouiller pour trouver la vue du Mont Timberwolf. Et puis ça sera tout. Ça sera notre aventure aujourd'hui. Je pense, et ça sera à peu près tout. Alors moi, ce que je vais faire après, comme j'ai expliqué plusieurs... Ah, attendez, est-ce qu'on a du bois? Enfin, de toute façon, on doit prendre... On doit prendre une corde. Ah, au final, on ne doit pas prendre de corde. Mais par contre, nous, on veut mettre une autre corde. Là, on a une corde pour escalader, mais on a une autre corde pour descendre ici. Et on veut placer celle que j'ai dans l'inventaire. Donc on va faire ça. Mais du coup, on n'a pas besoin de... Ouais, non, on peut y aller comme ça. Est-ce qu'on prend du bois? Non, je pense pas. Je pense pas. Ok, let's go. Allez, on y va. Très bien, fait pas trop froid, mais ça va. Alors, ça va être, comme je disais, c'est le dernier épisode pour le Mont Timberwolf. Bon, ça a déjà duré au moins 4 ou 5 épisodes, donc ça suffit, honnêtement, ça suffit. On a fait le tour, on a fait le chemin principal, en fait, pour aller au sommet. Et maintenant, on va finir avec le côté gauche, qui a... Bon, il n'y a pas grand-chose non plus, hein, mais bon, on va finir ça. Et moi, ce que je vais faire après, donc c'est une pause, pour les épisodes, je parle. C'est que moi, je vais, on va dire, chasser un peu, dépecer, récupérer des peaux. Ça va pas durer très longtemps. On a aussi un autre ours qui est apparemment en hauteur, là-haut. Donc on va peut-être... Alors, je vais peut-être aller le chasser, récupérer sa peau. Comme ça, on en aura deux et on pourra donc réparer notre vêtement. Et je pense réparer... notre sac de couchage aussi. Après, on va réparer, bien sûr, les pantalons qu'on a en peau de serre. On va réparer quoi d'autre. Enfin, voilà. Tout ce qu'on peut, le plus possible. Et faire des fûts de flèches aussi. Parce qu'on a plein de bois pour faire des fûts de flèches. Donc, je pense que je vais passer un moment à faire ça, quelques jours, en fait. Donc, ça va pas être vraiment très intéressant. Ça va être vraiment de la pure farm. Donc ça, c'est pas vraiment cool à regarder. Je préfère montrer qu'on fait de l'expédition. Comme je... Non, c'est pas là, on va descendre. Comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois. C'est par là qu'on descendait ou c'est par là-bas? Je me rappelle plus. On va voir. C'est par là-bas. Est-ce qu'on peut... Je fais peut-être une connerie, là. Ah non, ça va. On peut passer par là aussi.
Ah non, c'est notre passage. Voilà. Très bien. Pas l'air d'avoir de l'eau, ça va. Utiliser. Ah, on a des torches. Ah. On a une seule torche. Va falloir qu'on se bouge les fesses. On a que seulement une seule torche. Quand on sera dans la grotte. Ah, mais ouais. Donc, comme je disais, voilà, on va faire ça et après, moi, je ferai une pause et ça sera ma session farm. pardon, et voilà. Si jamais, alors je sais pas, vous savez que maintenant, depuis peu, je fais beaucoup en fait d'épisodes en avance. Je le répète de temps en temps au cas où. Donc des fois je réponds aux messages, je réponds quasiment tout le temps, genre 99% du temps, je réponds aux commentaires. Mais du coup ça se reflète pas vraiment sur l'épisode d'après, parce que je fais plusieurs épisodes d'affilée, parce que sinon ce serait trop la galère en fait de faire un épisode pour chaque journée. Surtout que j'en poste un genre le samedi et un dimanche, donc du coup ça marcherait pas vraiment en fait de faire l'épisode après avoir répondu aux gens, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je fais plusieurs épisodes d'affilée. J'ai envie d'utiliser ça en fait parce que ça me... Enfin, bref, non, c'est con. C'est juste pour pas utiliser des allumettes, mais bon. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que ça va pas des fois se refléter. Par rapport à ce que je vais répondre en commentaire et ce que vous voyez en épisode, ça va se refléter plus tard, genre dans 2-3 épisodes d'après. Je sais pas par où on passe vraiment. Je pense qu'on est au bon endroit. Mais que pensez-vous? Quelle zone on va faire? Il nous reste pas grand chose. Honnêtement, il nous reste... On est en cul-de-sac là? Ah bon. Il nous reste pas énormément à faire, donc ça serait ou retourner au phare pour faire la zone, parce que je crois pas qu'on ait fait la zone en entier, et encore je pense qu'on l'a fait quand même. Je suis pas trop sûr de ça. Mais surtout c'est que... est-ce que ça vaut le coup vraiment d'y retourner? Je pense que le mieux ça serait quand même de retourner... où il y avait les loups gris, et d'essayer de rentrer dans l'endroit pour faire des balles, vous savez, la nouvelle forge. Je vois vraiment que ça qui peut être assez fun à faire. Donc personnellement, je pense faire ça. Après, si vous avez une idée, dites-le moi. Mais voilà, en fait, je vous dis ça, le fait que ça se reflète pas directement. C'est parce que, par rapport à vos réponses, je vais peut-être rejouer entre-temps et tout ça. Donc je ferai peut-être autre chose que certaines personnes m'ont dit en commentaire. Donc voilà, donc ne vous énervez pas, c'est normal. Mais voilà, mais dites-moi, comme ça après j'avise avec le temps. C'est des choses que des gens m'ont dit que je fais, mais au bout de quelques épisodes, mais après je les fais au bout d'un moment. Mais voilà, honnêtement, je pense vraiment que la meilleure chose à faire, ça serait de passer par un autre endroit pour aller à la crique lugubre, récupérer le code et pouvoir rentrer dans cette forge-là. Et bien sûr, cette fois, on y va avec plein de flèches. Ah, et si jamais on a des problèmes, on défonce les loups, quoi. Ah, on défonce vraiment les loups et cette fois, on fait un peu la zone en entier. En tout cas, là... Oh, la vache...
C'est pas fun, c'est pas fun quand il y a du brouillard comme ça. J'ai envie de garder la torche allumée en fait. Si jamais on a besoin de faire du feu. Ok, on a des lapins. On va d'abord... Attendez, on vient de là. On va d'abord longer le côté gauche. Puis après on partira sur la droite. Vu qu'on voit pas grand chose, je préfère prendre des repères en fait. Parce qu'en théorie, de ce côté-là, si... par rapport à la grotte, quand on sort... Le côté gauche serait notre... Oh! Tiens, on a le... un moteur d'avion. Serait le... un endroit... l'endroit de notre cabane, en fait. Le côté gauche. En plus, il y a l'air d'avoir des loups. Faut trouver l'endroit en fait pour mettre la corde. Ah bah c'est bon, je crois que c'est là. C'est embêtant parce que là il y a un brouillard. On va voir si on arrive à repérer l'endroit. Bah oui, c'est... Qu'est-ce que vous voulez qu'on repère, c'est tout blanc. Donc bon, hein. On peut pas repérer grand chose du coup. C'est juste blanc. Mais je pense que c'est l'endroit où on avait vu en hauteur quand on était en contrebas. Du coup là... Ah ouais, on n'a pas besoin d'aller là-bas je crois. Apparemment on peut y aller quand même. Ok. Bon, on va explorer, nous on va continuer à explorer. Parce que du coup, il faudrait faut que le temps il s'améliore là. Parce que là c'est relou. Est-ce qu'on fait du feu ou pas? Très très dangereux ce que je fais. Ouais, c'est pas quelque chose à faire honnêtement. Oh, putain, chier. Encore le brouillard, ça a pas vraiment évolué. Bon, on va explorer, on va voir. On va explorer. Je veux dessiner, moi. Ah, ça c'est mes pas. I can't feel my hands. Des lapins. Sûrement un champignon. On est là pour récupérer des ressources, hein, surtout aussi. Donc évidemment, on va prendre champignons et tout ce qu'on peut. On va à droite ou à gauche?
Jonathan. Putain, il y en a combien des loups? 3, 4. J'ai envie de retourner dans la grotte et dormir au moins 2 heures en fait. Le temps que ça se... ça s'éclaircisse, parce que là, là on a froid mais on voit rien. À moins qu'on trouve une grotte. Genre là, je sais pas si ça sert à quelque chose de monter. Là-bas. Il nous faudrait une grotte. Ou alors on fait du feu, mais j'ai pas envie encore de me taper une allumette quoi. Où est-ce que je suis en train d'aller là? Moins 7. Moins 7, on peut se mettre dans un coin et dormir. Avec le sac de couchage. À la limite. Ok. Ça a l'air pas mal comme endroit. On va prendre tout ce qu'il y a là et on va utiliser le sac de couchage et dormir. Pendant seulement genre une heure. Je regarde s'il n'y a pas des loups qui traînent, mais bon, ça a l'air d'être tranquille. Juste une heure, on se réchauffe un peu et on fait passer le temps surtout. Moins 6, ah voilà. Fait déjà moins froid et tout, ça c'est bien. Ok, donc là j'ai un peu une idée en fait. On est vraiment à l'extrême. On a des massettes. Pas trop où aller. Mais pas de grotte, rien. Comme j'ai dit, après, si vraiment on a des problèmes, on peut complètement rusher dans la grotte qu'on connaît là. Il y a un passage. Il n'y a rien. Là, il y a des cartons. Je fais pas assez jour pour... pour faire du feu avec la loupe. C'est du charbon ça? Je sais pas pourquoi il y aurait du charbon en fait sur...
sur la glace comme ça. Ok, là c'est où on était. Ah, c'est pas une grotte ça? Ah, mais on est passé à côté en fait. Ouais, c'est une grotte. C'est pas la grotte d'eau. Ah, mais c'est pas la grotte d'où on vient, si. Oui, c'est d'où on vient ça en fait. Aïe. C'est pas grave. On va se réchauffer. Bon, du coup, ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut dessiner, là. On sort de la grotte et on dessine direct. Comme ça, on aura déjà une meilleure vue. Par contre, c'est les calories, il faut faire attention. Mais on aura déjà une meilleure vue d'où on est. Donc là-haut. Là-haut, c'est la... C'est la photo. Je suis étonné en fait qu'il n'y ait pas autre chose à part des lapins. C'est un peu étrange. Pas étrange, genre c'est pas normal, hein, c'est possible, mais c'est juste que j'aurais imaginé autre chose, quoi. Plus. J'aurais imaginé un peu plus. Bon, ça sert à rien de dessiner là, parce que là on est en surplomb, mais ça sert à rien de dessiner, parce qu'on va, on va faire la photo de toute façon. On va juste faire attention si jamais il n'y a pas... On entend des loups, hein, par contre. On entend des loups, mais... Ah, corbeau, j'entends les corbeaux à gauche. On entend des loups, mais on n'en voit pas. Ah, on prend. Ça doit être encore... Ah, peut-être là. Là, on surplombe une grande partie de la zone. Ah, c'est là-bas, notre maison. Pic d'André. Oh, une boîte qui vole. Non, tu déconnes. Tu ne devineras jamais ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai grimpé jusqu'au sommet du mont Timberwolf. Ce n'est pas une partie de plaisir, mais j'ai réussi la nuit, le ciel. C'est vraiment magnifique, c'est incroyable. Quel foutage de gueule. Quel foutage de gueule. Mais quel foutage de gueule. Je suis en train de regarder s'il y a des choses intéressantes. Nous on est là. On a encore des raichi. Là on a un bouleau verme, c'est pour faire un arc. Ouais, pas grand chose d'intéressant. Quel foutage de gueule, il faut remonter au mont Timberwolf. Sans déconner.
a combien? 41. Je sais même pas quoi dire. Du coup, on n'a pas de cargaison en fait, c'est surtout ça que je voulais voir, mais on n'a pas de cargaison. Ouais, non, mais il n'y a pas de cargaison. Alors, est-ce qu'on pourrait remonter au Mont Timberwolf facilement? Bah, maintenant on connaît, enfin on connaît la route, mais on peut y aller. Avec nettement moins d'équipement, comme ça ça ira beaucoup plus vite et on connaît les emplacements des grottes et tout ça. Donc c'est vrai que ça prendrait pas beaucoup de temps. Est-ce que c'est intéressant à faire du coup? Bah non, pas vraiment non plus. Et le problème c'est qu'il nous faut de la nourriture et de l'eau. Parce qu'on n'a rien en fait. On n'a plus rien. C'est un loup ça? Un loup sur la glace. Ouais, non, on n'a pas de nourriture, donc ça servira à rien d'y aller. Il faudrait s'arrêter pour faire du feu et tout ça. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement donc camper et tout ça, comme j'ai dit. Faire tout ce que j'ai à faire. Là, on va rentrer à la maison. De toute façon, on a plus rien à récupérer. Les massettes, on en a pris. Les raichis, tout ça. Il en reste encore quelques-uns, mais c'est pas beaucoup. En plus, là, je pense... Nous, on était là. Je pense qu'il faudrait aller de ce côté, prendre une corde, et après passer. Donc, c'est un peu la merde. On est en surpoids. On va essayer de passer par là, le côté gauche. Là. On va voir où ça nous mène. Un truc que je serais pas contre de devoir faire, c'est chasser l'ours. Chasser le nouvel ours qu'on a vu. On va voir. Mais ouais, non, on va pas y aller maintenant. Ça servira à rien. Parce que c'est, comme j'ai dit, il faut des ressources. Hein, il faut du matériel. On n'a plus de nourriture. Et on a seulement 2 litres d'eau, donc si jamais j'y vais, moi je veux y aller en une fois. Genre on se réchauffe 1 ou 2 heures dans une grotte à chaque fois et on avance, on fait que avancer. Mais il faut qu'on amène de la nourriture et de l'eau. Comme ça on n'a pas besoin de faire des pauses feu. Ouh, cool. Ouais, non, je veux pas faire des pauses feu en fait, comme la première fois où on est monté. Donc non, on va pas le faire. Mais je pense le prendre peut-être en vidéo, ou alors on commencera la vidéo quand on sera au sommet. Je sais pas, on va voir. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. C'est embêtant. Ouais, non, je le montrerai. Par contre, est-ce que ça c'est sur la map cet endroit là? Parce que attends, nous on était au pic. Là, il y a la corde, donc nous, on est passé par là. On doit être là. Ouais. On doit être là. Ah, on aurait pu monter par là, j'ai l'impression. Ouais, je pense qu'on aurait pu monter par là. On n'avait pas besoin de prendre la corde. La première fois où on est venu. Alors attendez. Okay, ça a l'air d'être tranquille. Parce que là, en fait, on redescend à l'endroit où il y avait l'ours. Voilà, il y a la corde. Ouais, là, la corde. Nous, on est passé par là-bas, en fait, par ce chemin-là. Mais on aurait pu juste passer sur la droite et après monter. Et on aurait, bah, on aurait trouvé, du coup, le moteur et tout.
On n'avait pas besoin de... de passer par la grotte. Alors maintenant on le sait, c'est bien. Bon, il faut qu'on rentre. Je voudrais bien pouvoir descendre normalement sans prendre de cordes parce qu'on est... on a beaucoup de choses sur nous. Ouais non, pas là. Non, nous faut qu'on aille là-bas. C'était joli ça comme ça, le temps là. Après je peux déposer du bois, hein, c'est pas un problème, mais bon, je préférerais pas. Mais là il y a le l'ours aussi, donc je vais peut-être aller chasser l'ours plus tard. Je pense qu'ils auraient vraiment pas dû mettre de photos dans certaines zones, certaines régions. Je pense qu'on peut descendre par là. Ouais. Oui, on peut. Très bien. Allez, on rentre. Ah, j'avais pas vu, il fait presque nuit, on va sprinter. Je vais essayer de pousser le cerf vers chez nous. Comme ça, on peut peut-être le tuer après. Parce que c'est vrai qu'au niveau nourriture, on commence à être un peu à court. D'accord. On verra ça plus tard. D'accord. On verra ça vraiment plus tard. Le truc qui va pas du tout où je veux. C'est pas grave. Bon, mais voilà, on a fini le Mont Timberwolf, honnêtement. C'est cool. Comme j'ai dit, je raccrocherai un morceau de vidéo pour montrer le sommet encore une fois. Mais on y est déjà allé, ça sert à rien de le rusher. Et après, alors je pense Creek lugubre. Phase 2. Avec plein de flèches. Plein de ressources. Ah, très bien, elle est un peu froide. Mais... on peut voir un peu le taux de bois là qu'on a récupéré. On a 28 de plus. Oh, c'est un bordel. On peut mettre ça genre là. Ouais, c'est pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas vu autant de bois, hein. Je veux pas dire, mais ça fait quand même un petit moment que j'ai pas vu autant de bois. Je vais être honnête. Je vais être honnête. Ça, c'est bien que ça fasse 40 kilos quand même. Ça, je suis content. Ah oui, c'est vrai qu'on a deux morceaux de bois en plus. Très bien. On en a combien à l'intérieur? 5. Ah oui, c'est vrai que ça, on peut les jeter. Qu'on fasse du pansement.
sert un tout petit peu à rien. Elle va me dire non, sûrement. Yes. Ouais, il faudrait un symbole abri. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est con, hein, qu'ils aient pas mis un symbole abri. Hein. C'est débile. Je sais pas pourquoi. On fait ça. On a encore des champignons à faire. Comme j'ai dit, on n'a pas à manger, par contre. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre ça. Et on va les faire cuire. En plus, elle n'est pas vraiment fatiguée. Ok. Donc on va finir notre épisode en faisant la nourriture et tout ça. Heures. 15 minutes. On va manger ça. Qu'on dépose ça. Tac tac. Ah, je voulais aller chasser le cerf maintenant, moi. Je voulais aller chasser le cerf maintenant. Par contre, il va falloir peut-être que je me bouge un peu par rapport à la nourriture. Parce que j'ai vu qu'un seul cerf et après, il y avait... pas grand chose, donc je vais devoir aller chasser le loup ou un truc parce que je sais pas trop quoi aller récupérer en fait. Après on pourrait aller pêcher, c'est vrai que je pourrais aller pêcher. C'est vrai que là on est juste à côté en fait, donc c'est pas mal. Je crois que je vais réparer mes vêtements vraiment quand on partira. Genre 92, 93. Ça s'abîme vite hein, quand même. Ça s'abîme vite. Donc j'ai envie de juste réparer quand on partira. Surtout avec avec genre ça là, la peau de l'ours. Ouais. 4 heures, oh putain. Ça passe vite, hein. Enfin, ça monte vite, surtout, ça monte vite. Faire les flèches, c'est combien? On va commencer à faire des fûts. Hein. De toute façon, je peux pas sortir là. On va abîmer le couteau par contre. C'est fort, hein. C'est très très fort le... la tempête là. C'est
C'est pas mal de faire ça, on garde le feu allumé. On fait de l'eau, on fait des fûts, c'est pas mal parce que c'est pas une heure, donc on va pas perdre, on n'a pas des risques de perdre de l'eau en fait. 2 heures, ah, très bien. C'est vraiment pas mal. Je suis assez content. Point de vue timing, ça se goupille bien en fait. C'est le dernier. Ah, très bien. Ah, il faudra qu'on aille récupérer à manger. C'est vraiment cool, cet endroit est vraiment cool, ça me fait plaisir d'être là. Par contre elle est un peu fatiguée, ouais on va aller dormir. On va finir ce batch d'eau et après on va dormir, on va faire ça. On reste quoi encore 48 minutes. Non, on peut encore en faire. Voilà, ça se passe bien. Honnêtement, je suis assez content. C'est tranquille. Oh mon dieu, le brouillard, il s'arrête pas, quoi. Ah, il est violent, celui-là. Moins 47. Moins 3. Température ambiante, moins 3. Et dans le lit, c'est plus 5. Ah, c'est violent. J'avoue que c'est assez violent, là. On a 20 massettes aussi, c'est bien. Bien, on peut faire le café, mais ça on va pas le faire, on va le garder. Voilà, ça va se calmer là, non? Voilà, je pense que ça va se calmer bientôt, ça va faire au moins 4 heures que le vent souffle. Ah bah voilà. Et ben voilà. On va dormir. Nous allons dormir tranquillement. On va aller chasser le cerf et je pense que ce sera notre dernière action de notre vidéo. On pourrait s'arrêter là, mais bon, ça ferait une petite vidéo du coup. J'espère qu'il va faire assez chaud, parce que je voudrais bien pouvoir récupérer la viande sans avoir à faire de feu ou quoi que ce soit. Fut. Ouais. Ah, plus froid. Je pense que je vais essayer de pêcher. Bon, ah, il est là le cerf. Pendant notre petite pause. Je vais essayer de monter la pêche. Parce que c'est vrai que... En fait, ce qui est bien ici aussi, faut avouer, c'est que le cabanon de pêche, il est juste là. Donc, il est juste à côté d'une maison, en fait. Donc,
pas très compliqué pour se mettre à l'abri si jamais c'est la merde. Et surtout que comme j'ai dit, des fois il fait bon en fait, hein, ici. Tout simplement il fait bon. Hein. Je sais pas si on peut pas le pousser vers chez nous. Pas si mal. Ok, donc là j'avoue que c'est un peu pourri par contre. On va rentrer. Il y a tout plein de bois partout, c'est magnifique. C'est juste magnifique cet endroit. Peut-être qu'on pourrait arrêter l'épisode ici. Parce qu'honnêtement, ce que je vais vous montrer, c'est pas super intéressant. Vous l'avez déjà vu 50 000 fois. Donc, ouais, on va arrêter ici, tranquillement. On va dormir. D'abord, je vais faire un petit résumé, comme on fait d'habitude. On a le sac de couchage. Sac de couchage, je crois que je vais le laisser. Quoique non, on va le garder. Je vais le garder sur moi, parce que ça va me permettre de rester à l'extérieur, si je dois me réchauffer vite fait. Mais ouais, ça sera tout pour notre épisode sur le mont Timberwolf. Donc comme j'ai dit, bon, on va essayer de faire ça. Comme j'ai dit, je le prendrai en vidéo et je le montrerai. Et puis après, on reprendra nous notre épisode directement, donc au même endroit. Sauf que j'aurai bien sûr rafistolé les vêtements parce qu'on en a quand même bien besoin. Genre les pantalons et les chaussures surtout. Genre ça pour les serres, il faut vraiment le faire. Après le reste c'est potable honnêtement. C'est pas... ça va. C'est vraiment très potable. Il y a juste peut-être celui-là. Mais surtout c'est le... que je voudrais réparer, c'est le sac de couchage. Ça serait vraiment intéressant de le réparer. Mais voilà. Honnêtement on est très bon. Il y a le charbon que je voudrais poser. Honnêtement on est très très bon. Nous avons des fûts de flèches, on peut faire des flèches. On peut déjà commencer à faire des flèches, c'est vrai. On peut même faire des arcs. Honnêtement, j'ai envie de faire ça aussi. C'est quasiment, carrément en fait, déposer l'arc qu'on utilise ici. Parce qu'il doit être mal en point. Il doit être à 5, il est à 49%. L'utiliser en fait pour chasser ici. Puis après je le dépose et j'en craft un autre. Et on prend celui-là qui est à 100% et on le ramène à la maison tranquillement. Même deux, honnêtement, parce que c'est 0,50 à chaque fois. Mais du coup, comme ça, tout est fait, en fait. Tout est crafté. Donc, voilà. Voilà. C'est vraiment le truc cool, quoi. Cet endroit. C'est vraiment l'endroit vraiment sympa. Et je vais essayer de pêcher aussi, voir si je peux pas un peu augmenter la pêche. Juste pour le fun, un peu pour montrer ce qu'on peut trouver. Et les différents niveaux aussi de la pêche. Parce qu'on est toujours de niveau 2. Donc ça peut être intéressant. Pour faire équipe de pêche, encore une fois, je le répète, il faut juste des morceaux de métal. Pour les hameçons, ça en fait 2 ou 3. 2, je crois.
Non, 3. On en fait 3. Alors, le métal, bon, c'est vrai que dans cette zone, bah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de caisse à scier, rien du tout. Mais bon, on en a en réserve, donc autant, autant les utiliser pour ça. Mais bon, de toute façon, j'ai déjà des hameçons qui me restent. Mais voilà, et après pour le fil, il suffit d'avoir des boyaux et des boyaux, on en a plein. Donc voilà, on peut faire ça. Mais voilà, ça va être cool, ça va être cool. Donc moi, je vais encore un peu faire le tour, peut-être essayer de dessiner un peu plus la map en haut. Et faire de la farm, tout simplement. Et nous, la prochaine fois, donc comme j'ai dit, on mettra un petit morceau de vidéo où on est remonté au sommet pour faire la carte, enfin la photo, pardon. Et nous, on redescendra, donc Vallée Charmante, on repassera un peu par les mêmes endroits pour récupérer ce qu'on avait laissé en objet dans les différents lieux, en fait, de la Vallée Charmante. On va essayer de pas y rester longtemps parce que ça va être chiant avec les blizzards et tout ça. Et après, je pense qu'on va revenir au lac mystère. Je pense qu'on reviendra au lac mystère. Et après, on repartira pour la crique lugubre. Mais on va passer par le ravin, je crois, cette fois. Pour arriver à l'autre endroit. Oui, je crois que la dernière fois, on était à la... Oui, voilà, c'est ça. C'est Muskegmond comme ça. Et après, c'est ravin, crique lugubre comme ça. Donc nous, on passera par le ravin pour aller à la crique lugubre. Et comme ça, on ira à l'endroit pour crafter. Et puis voilà, et puis après une fois qu'on aura fait ça, bon, on retournera, je sais pas, au site de désolation, ou alors à l'autoroute, à la côtière, je sais pas trop. Je sais pas trop honnêtement, parce qu'on a fait plus ou moins tout en fait. Mais ouais, ça va être cool, ça, honnêtement ça va être cool. Donc voilà, on va dormir. Et ça sera tout pour cet épisode, merci beaucoup d'avoir regardé. Comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir que les gens suivent encore, même à chaque fois j'ai quand même une centaine de vues toutes les semaines sur ces vidéos-là, et, sur ces vidéos-là, oh mon dieu, sur ces vidéos-là, pardon, et ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est plutôt cool, et puis on est à l'épisode genre 60+, et il y a quand même des gens qui continuent à regarder, donc c'est plutôt sympa. Et moi ça me permet de me motiver pour continuer. Mais voilà, j'espère que quand on aura fini, qu'on aura fini par exemple la crique lugubre, peut-être qu'il y ait une nouvelle zone ou alors vraiment les nouveaux modes. Parce que je voudrais bien en fait garder cette survie-là avec Ellie Porter. Et la modifier en fait au fur et à mesure que les gens font des mods. Ça pourrait être vraiment vraiment cool. Un peu comme une série que j'avais fait sur Fallout 4 si vous êtes intéressé. Je pense qu'elle a plus ou moins bien vieilli cette série. Mais j'avais commencé en fait Vanilla. Puis après les gens ont commencé à faire plein de mods et tout ça. Donc mon perso a évolué, les objets ont évolué. Les mécaniques ont même été rajoutées grâce aux mods. Donc je voudrais vraiment pouvoir faire ça en fait sur The Long Dark. Comme ça on évite de tourner en rond, parce que j'essaye vraiment à chaque fois de faire des aventures, mais c'est vrai qu'on tourne un peu en rond après, une fois qu'on a tout vu, il n'y a plus grand chose à faire quoi. Et j'ai vraiment envie que cette saison soit la dernière, genre l'ultime saison, ou qui continue plus ou moins indéfiniment avec le rajout de mode à chaque fois, ça serait plutôt cool. Mais voilà, bon j'ai assez parlé. merci encore, passez un très bon week-end, très bonne semaine, merci encore à tout le monde, et à la prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez devenir membre de la chaîne si ça vous intéresse, il y a une vidéo qui vous explique ce que vous pouvez récupérer. Et voilà, 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 ça sera tout, on va dormir 3h et 4h, et enfin même 5, et ça sera tout ça. Voilà, merci beaucoup encore, et à la prochaine, ciao ciao.